Ah, vous êtes là, ça tombe bien. C'est le deuxième épisode de Vanaglo, la série. Et aujourd'hui, on m'a demandé de parler d'action. En fait, c'est d'action culturelle dont on va parler. Et d'ailleurs, on a rendez-vous. Oh, je crois que j'aurais pas dû appuyer sur ce bouton. Quand on vous dit l'action culturelle du Naglo, vous pensez à quoi? Eh bien, à Vanaglo, la culture, c'est vivant. Et ça commence ici. Ça va, les enfants? Oui! Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes venus faire de la musique? Oui! Avec votre professeur, Marion? Oui! Tu es bien professeur, Marion? Ah non, je ne suis pas professeur. Tu es quoi? Je suis dumiste. Dumiste? C'est quoi, un dumiste? Alors, un dumiste, c'est un musicien intervenant en milieu scolaire. Ça veut dire quoi, dumiste? Alors, dumiste, ça veut dire diplôme universitaire de musicien intervenant au milieu scolaire. Et nous sommes 4 dumistes sur tout notre territoire de Vanaglo à travailler dans les écoles primaires. Et ça apporte quoi aux enfants, ton intervention? Alors, notre intervention leur permet de découvrir le chant, l'écoute, la pratique instrumentale et la création à travers des activités ludiques en partenariat avec les enseignants. Et ça t'embête si je participe au cours avec vous? Ah, pas du tout. Vous êtes d'accord, les enfants? Oui! Eh ben, c'est parti. Ils ont mis dans la marmite 3 bottines déjà cuites. Ils ont mis dans le chaudron le vieux lustre du salon, le chapeau du vieux garçon, les oreilles du dragon, avec 3 petits cochons. Eh ben merci, et puis bravo. Vous êtes des super musiciens. Bon bah après ce cours de musique, moi je crois que je suis prêt à jouer en public. Oh 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 oh, faut descendre de scène maintenant. Ah, je peux pas jouer là? Pas du tout. Parce que l'endroit se prête vraiment, vraiment bien à la musique. C'est quoi cet endroit d'ailleurs? Cet endroit, c'est l'Econova, un lieu de musique actuelle situé sur l'agglomération de Vannes. D'accord, et on y fait quoi l'Econova? On y fait beaucoup de choses, on y fait des concerts, une 50aine par an, ouais. De la répétition pour les groupes locaux, de l'information et de l'action culturelle. Dis-moi Frédéric, on y fait uniquement de la musique à l'Econova? Oui, c'est un lieu qui tourne essentiellement autour des musiques actuelles, donc pop, rock, jazz, musique électronique, tout ce qui est amplifié, voilà, avec une activité qui tourne autour de la musique en passant également par l'action culturelle. C'est-à-dire en menant des projets touchant des publics qui ne viendraient pas forcément au concert. Donc on développe des projets en milieu scolaire, en milieu carcéral, en milieu de la santé, etc. Donc on essaye aussi de développer une activité ouverte à tous. Ouvert à tous, ça peut dire qu'il peut y avoir des accompagnements pour des groupes qui ne sont pas forcément connus? Oui, par ailleurs, on a plusieurs dispositifs, des jeunes groupes, l'écho des studios, moins de 25 ans, des groupes qui essayent de se développer, se professionnaliser, 3 groupes par an, et des groupes professionnels bretons aussi qu'on suit tout au long de l'année. Et il y en a justement en répétition? En ce moment, nous avons Denise qui répète dans les locaux. On va aller voir? Allons-y. Allez, c'est parti. Baptiste, Jean-Baptiste, le groupe Denise vous a suivi depuis quelque temps à l'Econova. Ça se passe comment, vos résidences à l'Econova? Bah là, ça se passe plutôt bien. On a eu quelques rendez-vous avant avec toute l'équipe et pour un peu briefer ce qu'on faisait. Il y a les professionnels de l'Econova ouais, qui viennent nous briefer, nous donner des petits conseils, nous accompagner sur des lacunes que peuvent avoir bah, comme nous des groupes amateurs. Donc voilà, pour nous faire progresser et au final avoir un concert final au mois de juin pour voir ce qu'on a fait voilà, tout au long de l'année. Et en même temps voilà. De ça, ils nous mettent dans des ateliers
pour tout ce qui est chant, pour vraiment qu'on progresse assez vite. Sans ce genre de salle, votre groupe aurait pu perdurer, aurait pu continuer à progresser ? Il progresserait, mais... Différemment. Peut-être plus lentement, oui. Et différemment, parce que là, on a un levier extérieur, que si on reste vraiment dans notre côté, avec notre bande de potes, voilà, alors on a un peu les œillères, donc on progresse, tout le monde est content, mais là, voilà, on a des personnes qui vont nous dire du coup pied au cul, quoi, pour nous faire avancer. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Eh ben, faire du rock'n'roll et que ça sonne bien, quoi. Que je trouve une copine, surtout. Ce serait bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à Vanaglo, la culture, ça bouge et tout le monde peut en profiter. Ce soir, c'est le concert des Vampas. Et là, c'est moi qui vais en profiter. Rendez-vous au prochain épisode.